Bonne année! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vous montre mes cadeaux que j'ai eu à Noël et pour mon anniversaire, comme je suis née le 28 décembre, ça tombe en même temps, donc je fais une vidéo pour les deux. J'ai été énormément gâtée pour Noël et mon anniversaire. Je sais que ce genre de vidéo fait un peu polémique des fois, donc si vous n'aimez pas quand on montre nos cadeaux, je vous laisse regarder une autre vidéo de ma chaîne. Pour Noël et mon anniversaire, je voulais trop un nouvel appareil photo et un nouvel objectif. Mon père, ma mère et ma tante m'ont acheté comme nouvel appareil le Canon 6D Mark II. Je le voulais trop, donc je peux pas vous le montrer comme ça, c'est avec ça que je filme aujourd'hui. En tout cas, j'ai pu le tester quelques fois et franchement, j'ai adoré prendre des photos avec. Ça change vraiment de mon ancien qui était le 200D de chez Canon. Le 200D c'est plus pour les débutants et le 6D Mark II un peu plus pour les amateurs. Il y a beaucoup plus d'options et plein de petits trucs comme ça. Avec ça j'ai eu mon nouvel objectif, donc c'est le Tamron 70-200mm 2.8. Ça fait longtemps que je cherchais un objectif où je peux zoomer mais aussi avec une petite ouverture, donc 2.8. Parce que quand je fais de la photo, j'aime beaucoup qu'il y ait du flou en arrière-plan, mais aussi que je puisse zoomer. Parce qu'avec deux chiens, c'est assez dur de prendre des photos correctement cadrées sans pouvoir zoomer. J'avais la focale fixe 50mm qui est superbe, mais on peut pas zoomer, donc ça sert quand c'est du portrait ou quand les chiens ne bougent pas et pas trop en balade. Donc maintenant, je vais pouvoir zoomer et avoir du flou en arrière-plan, donc je suis trop contente. J'ai eu l'occasion en même temps que cet appareil de le tester et vraiment c'est ouf le résultat, ça change, ça fait vraiment un flou d'arrière-plan assez ouf. J'en ai mis quelques-unes sur Insta, donc je vous laisse aller regarder sur mon Insta, c'est Melopus Baglia. Ensuite pour Noël, mon copain m'a acheté des AirPods, donc je suis trop contente, pareil, j'en avais pas, j'avais encore des écouteurs avec fil et j'en voulais trop, donc voilà. Pour mon anniversaire, mon père m'a acheté un disque dur externe. J'en avais vraiment besoin pour mettre toutes mes vidéos sur le disque et non sur l'ordi parce que j'ai vraiment plus de place sur mon ordinateur. Donc voilà, je vais pouvoir mettre toutes mes vidéos et tous mes gros dossiers qui prend beaucoup de place là-dessus. Ensuite, pour Noël et mon anniversaire, ma mamie m'a acheté un micro. Donc c'est le Rode. Il fonctionne normalement maintenant. Donc j'espère que le son est meilleur. Mais voilà, j'en avais vraiment besoin aussi, j'avais pas le micro encore, donc je suis trop contente. Elle m'a aussi acheté avec ça la Ring Light, vous savez c'est la lumière en cercle qu'on voit beaucoup. Donc c'est pareil, je pense que l'éclairage est beaucoup mieux maintenant. Et je m'en sers maintenant, donc je vous mettrai une image ici, mais voilà c'est vraiment top, ça éclaire beaucoup, je suis trop contente. Ensuite pour mon anniversaire, j'ai eu de la part de ma mère et de ma tante un pyjama Pokémon Pikachu, donc il est trop mimi, voilà à quoi ça ressemble, voilà le bas, il est trop mimi, j'adore. Pour mon anniversaire, ma mère et ma tante m'ont acheté des chaussons, donc ils sont vraiment trop mimi, ils viennent de chez Etam, donc ça va avec le pyjama. Ensuite pour mon anniversaire, mon copain m'a acheté un bracelet de chez Pandora. C'est les bracelets où on peut mettre des charms. Donc moi il m'a pris un petit chien, un séparateur et une petite boule avec des cœurs. Donc voilà, j'adore vraiment ce bracelet, je le trouve trop mimi. Et enfin la copine de mon père m'a acheté des boucles d'oreilles. Alors moi c'est une histoire un peu compliquée pour mes boucles d'oreilles. En gros, je me suis fait percer plusieurs fois le premier trou de l'oreille gauche. À chaque fois, ça se rebouchait ou ça s'infectait. Et j'avais jamais changé ma boucle d'oreille du premier trou de l'oreille gauche. C'était toujours la boucle d'oreille de perçage. Je sais pas si vous avez suivi aussi, quand je suis partie à Bristol avec mes potes, j'avais fait le deuxième trou. Donc il fallait absolument que je change mes boucles d'oreilles des premiers trous parce que c'était pas les mêmes de chaque côté et que je voulais changer de toute façon. Et donc elle m'a offert des boucles d'oreilles, je suis trop contente, de toute façon il m'en fallait et franchement j'adore. Pour mon anniversaire, mes potes m'ont acheté un coffret de massage qui vient de Nature et Découverte. Je l'ai essayé et franchement ça fait vraiment du bien. Donc merci beaucoup Maëlle et Sabrina si vous passez par là. Donc voilà, la vidéo est terminée. Je suis contente d'avoir eu beaucoup de cadeaux et je suis vraiment trop contente. Je remercie vraiment tout le monde.
J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à laisser un commentaire en me disant qu'est-ce que vous avez eu pour Noël. Je lirai tout ça, en plus ça peut donner des idées. C'est pour ça que je regarde souvent des vidéos, ce que j'ai eu pour Noël ou mon anniversaire, parce que ça donne des idées et j'aime bien voir ce que les gens ont eu. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Twitter, c'est Mélopus by Léa. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!